Donc, l'outil suivant, c'est l'outil déplacement basé sur le compte. Là aussi, c'est une sélection. Donc, soit on l'a fait avec l'outil ou avec n'importe quelle autre sélection. Et donc, ici, je vais entourer le chien. Toujours comme d'habitude, vous savez que j'aime bien de créer un calque. Et je viens mettre le chien de l'autre côté. Voilà. Donc il a fait un boulot assez bon. Assez bon. Si maintenant on va encore créer un calque au-dessus, pour ce faire, je dois mettre toujours échantillonner tous les calques, doivent être validés. Et cette fois-ci, on va essayer de prendre le garçon. Pour ce faire, ben, je vais aller chercher. On va essayer avec l'outil sélection d'objets. Alors ça ne marche pas, pourquoi? Parce que je suis dans l'image du bas. Voilà. Donc lui, il m'a sélectionné mon objet. Okay. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le lasso et bah, il m'a même sélectionné son ombre, donc j'ai même besoin de rien faire. Je reprends mon outil de déplacement suivant le contenu. Et on va venir le mettre ici. Vous voyez que c'est pas tout à fait à 100%, mais on va regarder ce qu'il fait. Et donc, on va le mettre ici, au-dessus. Et on va essayer ça en outil de déplacement. Ok. Donc ça, ce problème vient quand on fait la sélection, c'est que la sélection n'est pas à 100%. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé des... Comment? Quand j'ai affiné la sélection, pour affiner tout juste, il a pris seulement un pourcentage et pas la totalité. Donc, je tenais à le montrer pourquoi, comme ça vous voyez qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc malheureusement, on est souvent obligé avec cet outil de prendre je veux dire l'outil lasso ou lasso polygonal, de venir faire ceci. Ok, une fois que ça est fait, on va prendre l'enfant et on vient le mettre. Et vous voyez que j'essaie déjà d'aligner les lignes plus ou moins parce que sinon ça va pas très bien marcher. Même comme ça, vous allez voir, à mon sens, ça va pas marcher des masses. Ok. On va faire un contrôle des qui sont ici et on se rend compte que le tour n'est pas bien. Alors, pour essayer d'améliorer le tour, ben, on n'a pas 36 solutions, c'est augmenter structure et couleur. Couleur, je suis déjà maximum. Structure, ben, je suis pratiquement maximum 6, donc il n'y a pas possibilité d'améliorer beaucoup. Et donc, c'est seulement sur ce calque-là qu'on va aller chercher. Qu'on va aller deux solutions, soit on fait une sélection, ou bien on crée un masque, on prend le pinceau, la brosse B, et on vient peindre en noir ce qui ne nous plaît pas, en essayant de faire ça de la manière la mieux possible. Donc l'outil de déplacement, ben, ça marche bien quand on est sur un fond relativement uni, pas trop compliqué. Ici, ben, vous voyez le fond est déjà un peu plus compliqué, donc le programme n'y arrive pas, donc à calculer. Donc oui, ça marche, plus ou moins, quoi.
Et donc, on est souvent obligé, dans un cabaret, pour pouvoir faire, ben, je vais dire, de perdre des détails. La petite toupette qui dépassait, ben, on ne l'a plus. Bon, maintenant, c'est parce qu'on le sait. Sinon, ça devient quand même assez compliqué à détecter, hein. Alors, ce qui veut dire qu'on sait déplacer un objet qui est net, c'est bien ce qu'il faut dire. Un objet qui n'est pas net, ben, malheureusement, le déplacer par cet outil, ça ne marchera pas.